fils de la vie, comme environnement, il y a un développement. Nous avons un travail pour voir l'environnement. Nous avons sensibilisé l'environnement. Da fekkane len sen culture ak sen ciosanu dimba bayiwuñu ko e ba mbir mi dal jarna yon trop machallah aussi itam ñu doon len xamal lan moy mangro parce que mangro dafa nek garab gu nga xamanteni bi xamane ko tawbi do garab gu am importance la donc ñu xamal len ni mangro position bi nga xamni mom moy joggé ci ay europe wala bitim rew e di yak jawoji mangro mom su magge lol lay jël dika dund dika lek aussi xorom bi nga xamni dañ ko wax gouverneur muy nek ci nit ñi leen jox ay fébar mangoro de ko jël dika lek comme niñ ko wax aussi tam mangoro mu nek lu nga xamni fu mu baré bu indonation amé mom day capté ndox mi nan ko wañi ko mu nek fa aussi fo ndox manké momi day jël ndox mi pompé wat ko comme matla éponge délawat comme niñ ko capitaine Mignane Sar waxé mangoro tam dañ nek lo xamni day dundal ressource day yok jeun day yok ay sipax façon jeun bu né mangoro de kay yok mangoro nek lo xam dal dafa am importance itam ñu defal won alla bi kessa la mangoro war ma dund tay ñu indi ke fi bi ci bir isinu xor ci capta région de Saint Louis pour ñu xamni mangoro ñepp ño ci war intégré wu du wa alla bi kessé lo mo fi son tank tay itam bu dé ko mel ñu nga xamni yalla jox na ci experience ku ñu dik ay cotton baba ak jëlmam ñun paré nañu képp ku sumba yonu mangoro soñu wowe ñu taxaw ci jappalé la xam lan moy mangoro xam ba si même yenen garab yi sax luy garab dal nga xam lan moy garab tay ëlëk ba mbolem ñu nga xamanteni bi ño nek ci administration bi ni wa SFOR yi seen liggéey gëna yomba seen digënté ak population yi ñun lool mo ñu fi nek ñu fexé ba seen liggéey gëna yomba ak population yi ba xam lu ñu mën défar ci walu garab population yi mën ko garder gouvernement bi tam gën ci mën am réussite ndax partenaire yi nga xamni ño nek bitim réew di jëflanté ak ñom ñu gëna am contenté ak réussir C'est Cheikh Amadou Bamba Ndiaye, coordonnateur du projet Plantation Mangrove dans le cadre du projet GIZC. Le projet GIZC, c'est le projet de gestion intégrée pour la protection des zones côtières. C'est un projet du gouvernement du Sénégal à travers son ministère de l'Environnement et qui est logé au niveau du DEEC, c'est la direction de l'environnement et des établissements classés, et qui est financé par l'Union européenne. Alors le programme consiste, c'est un programme national et réparti au niveau des zones naturelles du Sénégal, centre, au niveau du sud et de la zone nord. Et présentement, je suis coordinateur du projet qui est affecté par adjudication de marché au GIE SAD, qui est Solidarité, Action et Développement, présidé par notre ami et frère Djibril Koulibaly. Les zones ciblées par le projet sont, il y a la zone centre du Sénégal, il y a la zone sud et il y a la zone nord. Pratiquement, c'est trois zones, centre. Et vous comprendrez aisément que ces trois zones sont pratiquement les zones naturelles où l'on peut trouver la mangrove au niveau du Sénégal. Sine Saloum, en Casamance, la verte Casamance, et au niveau de la zone nord. Et c'est aussi des zones côtières, c'est-à-dire qui sont bordées par le fleuve ou bien par des affluents ou bien par la mer. Mais véritablement, le projet a pour vocation de protéger les zones côtières qui sont sous l'influence de facteurs néfastes qui, à long terme, si l'on n'en prend pas garde, risque de réduire considérablement le continent et par ricochet, avoir des effets néfastes sur la population et sur les ressources. Nous sommes à Fala, fille de Khor Usine, du président ASE Waraba, président de l'Union des groupements de Khor.
ci conseil de quartier bi. Bon, ma ngi yoré itam mutuel di cadré itam jigen yu bare ci quartier yu bare. Bon, amna dal fonction yu bare, je suis monitrice de collectivité éducative aussi. Boma lajé solo bobu dama ci bék ñun suñu gennuwal sax jël mbam la, mais tay bo gisé brassage bi projet bi def tay GIE Kouloutra def ñu gën la rapprocher moy rek mbirum mangrove bi. Parce que l'environnement, il faut que nous protégions. Et si nous protégions, qui peut connaître l'île de Djouk, connaît que c'était une forêt classée. Mangrove fa nekkon ba bo taxawé de l'autre côté do gis l'autre côté, mais tay sécheresse bi ñew na détruire lolu yépp. Tay projet bobu nak lañu wa jël mbam ñew jappalé groupement yi bu ci melna Aïda Souka, Khadija Allo jité ko, Aminata Traoré man mi ma jité ko, ak GIE ak Japo Aïcha Diara jité ko ak ñom Mounastal. Vraiment motax ñu tassé fi tay lolu dal motax ñu ñew encadrer jigen yi waxtaan ak jigen yi, parce que defon nañu ben phase 8 hectares pour phase test def nañ ko ba paré. Li dess nak ñu bëggon sensibiliser jigen yi pour ku ne ñew def ci sa loxo. Lolu mo taxone tay wa jël mbam ñew ak wa muyit ñew lekkolo ñun pour ñu mën waxtaan ak jigen yi. Néna budé ay gojas tak nañ suñuy gojas sol nañu suñuy mayo, inshallah dañuy sobu ci dex bi takku nañu ta paré nañ. Le sens de cette rencontre, c'est appuyer nos éléments qui sont ici à Khor, surtout les groupements féminins, à sensibiliser les autres sœurs pour qu'elles puissent s'intéresser à ce que nous sommes en train de faire, qui est le reboisement de la mangrove dans la zone de Djouk, pour protéger notre île qui s'appelle Djouk. Cette île faisait presque 482 hectares en 1919, et actuellement en 2014, nous nous retrouvons avec 240 hectares, moins de 240 hectares. Vous voyez, à cause de l'érosion éolienne, hydrique et tout ce que ça comporte comme déboisement à cause de l'homme. Ouais. Alors pour sauver cette île maintenant, nous nous sommes organisés à travers le projet GIZAC, de la protection côtière. Alors pour pouvoir vraiment faire face à ça. En collaboration avec Doud Baba Dieye, et c'est parce que ces gens ont de l'expérience dans le domaine du reboisement. Et lorsque nous nous sommes retrouvés au sein de ce projet, nous avons jugé utile maintenant d'utiliser ou bien d'échanger ou bien de bénéficier de leur expérience. Alors nous aussi pour pouvoir faire des bons en avant pour la réussite de ce projet. C'est la raison de notre rencontre aujourd'hui qui a vu que nous avons réuni l'ensemble des responsables de groupements féminins. Et donc chaque responsable ici a presque beaucoup de mortailles derrière. Et je crois qu'à partir d'aujourd'hui, nous aurons peut-être le résultat escompté. Inch'Allah.